Hey, bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, grande journée pour les gamers. La PS5, on a réussi à avoir ça, fait qu'on est bien content. Fait que, bien sûr, on est original, fait qu'on décide de faire un unboxing. Fait que, comme vous pouvez voir, bien sûr, la console avec disque, ça part de 8K, 120 frames, blablabla. Il n'y a rien de super palpitant là-dedans. Nous autres, qu'est-ce qu'on veut voir? C'est le dedans de la console. On fait l'ouverture. Ta 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 ta! Et voilà comme ça. Beaucoup d'emballage. Ça comme ça. On va s'arranger pour pas qu'elle tombe. C'est tout le temps plaisant de faire le unboxing d'une nouvelle console. On est parti. Ouh, il y a même des petites instructions par rapport qui ne servent à rien. Vive le sur-emballage. Je présume que c'est une boîte avec des fils. Livret d'instructions. Comme ça. En français, en anglais, etc., etc. Fil, bien sûr, de courant. Et c'est la première fois que je la prends en main. La fameuse manette. J'espère pas être déçu. Wow! OK, pour vrai, elle a du charme. Elle a du charme, c'est pas pépant tout. Non, elle se tient bien, un petit peu plus grosse, comme tout le monde le dit. Elle est un petit peu plus grosse. Puis ensuite de ça, il y a même les logos. Quand on zoome énormément, il y a les logos de PlayStation en arrière. Ils ont enlevé le bouton Options puis Share. C'est les mêmes affaires. Le trackpad est plus gros. J'ai hâte de tester les fameuses triggers là, avec de la résistance dedans. USB-C. Fait que ça aussi, c'est très bien. Ah, pour vrai, là, elle est fun. Super de beau design. Vraiment, pas pépant en tout. Le bouton PlayStation maintenant qui est remplacé. Puis le micro, le jack 1.8. Ça, c'est supposé de s'enlever aussi. La partie noire est supposée de pouvoir s'enlever pour la remplacer de couleur. Fait que ça, c'est plaisant. Non, pas pépant en tout. J'ai hâte de la faire essayer à d'autres personnes. Voyons voir le monstre. Hey Seigneur! Allons voir ça. Hey Seigneur! C'est du gros emballage, ça, messieurs et mesdames. Pas de sceptisme, pas de sceptisme. La fameuse console elle-même, c'est énorme! C'est énorme! C'est incroyable, c'est vraiment énorme. On va regarder ici, super logo PlayStation. Les dedans, justement, qu'on voit encore un peu comme sur la manette, quand on zoome énormément, on voit les logos triangle, rond, carré et X. Mais non, c'est une très belle machine, énorme. Elle a un bon poids, on dirait que dans la boîte, elle pèse moins, mais elle a un bon poids. Quand on regarde aussi, justement, là, deux prises USB, HDMI 2.0, courant, LAN, il y a le carré et le triangle ici. C'est une belle machine. Elle doit être salissante, je présume, parce qu'elle est blanche. Mais je me demande s'il y en a qui vont justement la caractériser avec des LED sur le côté. Bien sûr, le lecteur ici. Je pense que ça va être la première console que je vais mettre debout. J'ai hâte de voir si je vais trouver la place parce qu'on s'entend, elle fait un pied et demi, je dirais, vite de même. C'est énorme, mais c'est une belle machine avec, bien sûr, la manette comme ça. C'est une très belle machine. Fait que on ne veut pas s'éterniser, c'était juste un petit unboxing là, pour la fameuse PlayStation 5 qui sort aujourd'hui le 12 novembre 2020. Fait que merci d'avoir été là juste pour regarder la merveilleuse console.
Puis oubliez pas de venir nous écouter au podcast. C'est pas pour les doux. Likez, partagez. C'est super le fun. On se fait du fun. Fait que merci beaucoup. Puis on vous souhaite une bonne journée.